calendar. So our reason for coming to SUNY is because they're a very important body. They are the ability, they have the ability donc, nous sommes venus rencontrer la Commission électorale nationale indépendante parce que c'est un organe important dans la tenue des élections dans ce pays. Et ça a été tout à fait clair pour, en discussion avec le président ainsi que toute son équipe, de montrer que chaque jour qu'une élection n'est pas tenue dans ce pays, c'est une femme qui s'est fait violer, c'est des enfants qui sont enrôlés dans l'armée et c'est des jeunes filles qui connaissent des grossesses non désirées. Et donc il est important que nous puissions organiser des élections en 2018. Et cela ne sera possible que si toutes les parties prenantes aux élections donnent leur appui au processus. Il s'agit donc des évêques qui doivent également soutenir que les élections se tiennent en 2018, mais également les partis politiques. Mais le président de la République doit également dire que les élections doivent être organisées en 2018. Ce n'est que la seule voie issue pour la tenue des élections libres, c'est que toutes les parties prenantes y mettent la main à la pâte. Nous n'appuyerons pas du tout, de quelque manière que ce soit, un calendrier électoral si ce calendrier ne spécifie pas clairement que les élections se tiendront pas plus tard que 2018. Voilà donc, ça fait clair que ça ne serait pas une démocratie si les pays continuent à tolérer que les populations souffrent, que les enfants soient violés, que les enfants soient enrôlés dans les armées. Et c'est important que nous puissions donc réitérer ce message et nous allons appuyer ce processus si un calendrier réaliste est mis au point et nous allons faire savoir cela à toutes les parties prenantes, que ce soit l'opposition, les évêques, mais également les présidents de la République, pour que ce message soit clairement donné afin que la démocratie que la population attend ainsi que les élections qui pourront amener une situation apaisée dans le pays sont effectivement organisées.